Je m'appelle Sylvie Koubeboko, je viens du Bénin. Je travaille à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, entendu INRAB. Et là, je suis chef service administration générale. Je suis aussi gestionnaire de projet, coordonnatrice d'un projet de construction et d'équipement du siège de l'Institut. Étant gestionnaire, j'ai beaucoup de planification à faire. J'ai à planifier nos activités, à faire le suivi aussi de ces activités-là. Et c'est dans ce cadre que j'ai postulé à cette formation et suis venue ici pour suivre la formation. Avec cette formation, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la planification et surtout par rapport au suivi évaluation, au système. Comment mettre en place un système de suivi évaluation, comment identifier les indicateurs aussi, comment les mesurer et tout. Et je crois qu'avec tout ce que j'ai appris, je pourrais bien mettre, une fois de retour chez moi, bien mettre tout ça là en pratique. Surtout les outils, les différents outils de suivi évaluation qu'on nous a appris. Comme première chose dans mon travail, c'est surtout prendre en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes de mon projet, les impliquer. C'est l'aspect participatif de tous les acteurs qui est le plus important pour moi, comment les amener à avoir la même perception des objectifs, du but de mon projet. C'est surtout ça. Et une fois cela acquis, les impliquer aussi dans le suivi des activités et surtout dans l'évaluation aussi, comment corriger à chaque fois ce qui ne va pas. La leçon la plus importante que j'ai apprise ici, c'est comment s'adapter au changement. Comment s'adapter à toutes les situations. C'est vrai, on fait une planification au départ, mais ici, on nous a appris qu'il faut aussi avoir des théories de changement pour que, au cours de l'exécution du projet, quand un problème survient, comment aller passer, d'une solution à une autre. Comment réfléchir pour pouvoir régler ces problèmes-là et changer de direction des fois. Pour améliorer les performances, c'est très important de venir suivre cette formation parce qu'on nous a appris beaucoup de choses, beaucoup d'outils. Et ce qui est très important aussi dans tout ce qu'on a appris, c'est la gestion orientée vers l'impact. Jusque-là, on a toujours parlé de gestion orientée vers les résultats, mais cette fois-ci, on va au-delà des résultats. On va vers l'impact et c'est très important. La durabilité de tout ce qu'on met sur pied, de tout ce qu'on fait, de nos projets et tout. C'est ce que je vais leur conseiller, de tout faire pour prendre part, de ne pas rater. Parce que c'est une formation très utile, très importante.